elle a déjà postulé à la présidence de l'UMP, et puis beaucoup disent, et je crois qu'ils n'ont pas forcément tort, qu'elle se verrait bien candidate à la présidentielle et même présidente de la République. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous serez candidate un jour à l'élection présidentielle en France ? Alors là, comme première question, c'est un peu rude. Oui, j'enchaîne sur ce que vient de dire Gérard Leclerc à l'instant. Écoutez, j'en sais rien. Je trouve ça toujours ridicule pour un politique de dire qu'il n'a pas d'ambition, parce qu'en fait, c'est jamais vrai. Donc, ça veut dire que c'est un premier petit mensonge qui en entraîne d'autres, et voilà, c'est absurde. Maintenant, je ne vis pas la politique non plus comme un plan de carrière. Vous voyez, ça ne fonctionne pas comme ça. En même temps, il n'y a pas besoin d'avoir de tabou. Si vous avez envie d'être un jour président de la République, je trouve que c'est une ambition légitime. Mais j'en sais rien, si vous voulez. Voilà, je suis pas dans un plan de carrière. Je mentirais si je vous disais que j'ai aucune ambition, mais ce n'est pas non plus une obsession.